Want to speak real French from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at FrenchPod101.com. Want to completely understand everything in your target language? In this guide, you'll learn the top 10 ways to improve your listening skills with our lessons. Let's begin. Number one, take your very first lesson. The best way to practice listening is to just start listening. Expose yourself to native speakers as much as possible. So access any audio or video lesson on the site and press the play button to get started. You can do the lessons on the site or on the app while you're on the go. Don't have an account? Don't worry. Just go to the sign up page to create an account. It takes less than 30 seconds and it's free. Then click on the play button on any lesson and start learning. Number two, slow the lesson down. Now, if a conversation is too fast for you, simply adjust the playback speed in the lesson control bar and listen to it again at a slower speed. This will help you understand every word. Another way to pick apart every word that you hear is read along as you listen. Just read along as you listen and you'll never miss a word. You can read along with the lesson notes or lesson transcript that come with every lesson. The lesson notes give you the dialogue, the translations, and in-depth grammar tutorials. The lesson transcript is the full word-for-word transcript of everything you hear. You can also read along with the dialogue study tool, which gives you the line-by-line breakdown of the conversation, including the audio and translations. Number four, listen to the line-by-line breakdown with the very same dialogue study tool. What makes this tool so powerful is you can listen to each line individually and replay it as much as you want until you understand every single word. This is useful for mastering fast conversations that you would miss otherwise. Number five, listen to the dialogue track. The dialogue track gives you the conversation of that lesson in the target language only, no translations. And you have this tool in every audio lesson. Listen to it and see how much you can understand. Number six, download the dialogue tracks and make a playlist. This is a great immersion tactic. Download the tracks to your computer or mobile device. Then play them on a loop to immerse yourself in the language and improve your listening skills. Each track is only about 10 to 30 seconds, so it won't take you long. Number seven, play the vocabulary slideshow. You get the slideshow study tool with all of our audio lessons and vocabulary lists. Click on Start Slideshow, sit back, and listen. You can also play it on loop and immerse yourself in the language. Number eight, get listening assignments from your Premium Plus teacher. You can also get assignments covering reading, writing, speaking, and even listening from your teacher. These assignments can be tailored to your goals and needs. You can get a new one every week or anytime you're ready for a new one. Number nine, take the listening comprehension lessons. These lessons are designed to test your listening skills. You'll hear a dialogue in the target language, and based on the dialogue, you'll be asked to answer a question to check if you understood. There are no translations here, except for the subtitles. Read along with the subtitles to understand everything. Number 10, get even more lessons in the lesson library. If you want even more lessons, from absolute beginner level to advanced, then visit our lesson library. You get instant access to all of the pathways and lessons that will help you master all areas of the language, including listening. And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way, and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share it with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye. Hi, everyone. Are you ready to test your language level? In this video, we'll test your listening skills. We'll go over four levels of difficulty so you can figure out what your real level is. And if you want to improve your language listening comprehension skills, just click the link in the description to access the best audio and video library of online content. Let's go. Level one, absolute beginner. Une femme et un homme regardent une photo. Quelle photo regardent-ils?
C'est la photo de l'équipe de foot de ton fils. Il est où ? Il est là. Oh, et c'est le plus grand de l'équipe. Il est plus grand que moi. Un garçon lit son journal intime. Qu'a fait le garçon en premier aujourd'hui ? Il a fait très beau aujourd'hui. Je suis allé à la piscine cet après-midi et je suis allé voir un film ce soir. J'ai aussi étudié ce matin. C'était une très bonne journée. Un homme est au téléphone avec une clinique. À quelle heure doit-il y être ? Bonjour, comment puis-je vous aider ? Vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à 6h, mais il est préférable de venir avant 17h30. Très bien, ok. Un homme et une femme regardent le menu d'un restaurant. Qu'a commandé le monsieur ? Que voulez-vous commander ? La pizza a l'air délicieuse. Je vais prendre ça. J'ai déjà mangé une pizza hier, donc. Ah, et pourquoi pas ce hamburger ? Ça m'a l'air bien. Je prends ça. Une dame demande un renseignement au libraire. Quel livre voulait voir la dame ? Excusez-moi, je voudrais jeter un œil sur ce livre sur cette étagère. Quel livre voulez-vous ? Le livre sur les voitures. Un moment, s'il vous plaît. Celui-ci ? C'est ça. Et voilà. Level 2. Beginner. Un homme et une femme discutent du modèle de la carte de visite de l'entreprise. Quel modèle ont-ils choisi ? On a reçu quelques nouveaux modèles pour la carte de visite de l'entreprise. Laquelle conviendrait le mieux à ton avis ? Voyons ça. Je pense que le nom de l'entreprise devrait être plus gros. Ok, donc ça serait une de celles-ci. Oui. J'aime celle-ci parce que le nom de l'entreprise est gros et en haut. Il y en a une avec un espace pour une photo. Qu'en penses-tu ? Je pense que ça réduit trop la taille du texte. Ouais, le texte va être un peu difficile à lire à cause de l'image. Ok, donc on va prendre l'autre. Vous écoutez les prévisions météo. Quelles sont les prévisions ? Nous aurons beau temps toute la matinée. Dans l'après-midi, les nuages se montreront et il pleuvra dans la soirée. La pluie sera présente toute la nuit jusqu'à demain matin très tôt, jusqu'au lever du soleil. Un homme discute avec son épouse au téléphone. Que va-t-il acheter ? Coucou, je rentre à la maison. Ok, tu pourrais acheter un truc en passant ? Bien sûr. Tu veux que je prenne quoi ? On a besoin de lait et de pain pour demain matin. Lait et pain compris. Combien de briques de lait ? Une, ça ira, je pense. Ok, autre chose ? Une seconde. Je regarde s'il y a encore du beurre. Ok, on en a. Très bien. Il reste des bières ? Oui, il y en a encore une bouteille. Ok, donc inutile d'en acheter maintenant. Oui, je pense que c'est bon. Merci. Un homme et une femme discutent d'imprimante au bureau. Où se trouve la vieille imprimante ? Où devrions-nous mettre la nouvelle imprimante ? Je pense qu'on devrait la mettre là où se trouve l'ancienne. Mais elle fonctionne encore. On va continuer à l'utiliser. Ok,
Donc on ne peut pas mettre la nouvelle là. C'est dommage. Ça aurait été bien d'avoir la nouvelle dans l'étagère près de la porte, mais il n'y a de place que pour une seule imprimante. Ok. Je pense qu'on devrait la mettre de l'autre côté de la pièce. Très bien. Pourquoi pas à côté de la fenêtre? Ça me semble bien. Un homme cherche un cadeau d'anniversaire pour sa femme dans une bijouterie. Quel collier va-t-il acheter? Puis-je vous aider? Je cherche un cadeau d'anniversaire pour mon épouse. Vous pouvez me conseiller? Bien. Que pensez-vous de ce collier? Il a l'air un peu long. Et cela? Nous en avons un avec un pendentif en forme de fleur et un en forme de cœur. Je recherche quelque chose d'un peu plus sophistiqué. À combien est ce collier de perles là-bas? Il fait 5 000 euros. C'est trop cher. Ok, je vais prendre le premier. Très bien, voilà. Level 3, Intermediate. Une femme essaie une robe et discute avec le vendeur. Quelle robe va-t-elle acheter? Elle vous met en valeur et vous va très bien. Oui, elle me va. Mais j'ai l'habitude de porter des couleurs unies. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de motif. Eh bien, je trouve que cela vous va bien. Ah oui? Je pense qu'il me faudrait un peu plus de courage pour porter ça. Et pourquoi pas cette robe? Le motif est plutôt discret, donc ce sera moins voyant. Vous avez raison. Je vais essayer celle-ci. Je vous en prie. Qu'en pensez-vous? Celle-ci me va mieux que l'autre. Est-ce que vous avez la même avec des manches longues? Oui, tout à fait. Très bien, je la prends. Deux étudiants, un garçon et une fille, regardent des petites annonces de job. Pour quel travail l'étudiante va-t-elle postuler? Hey, tu penses quoi de ce job? Le taux horaire est assez élevé. C'est sûr! La paye est géniale, mais tu penses vraiment pouvoir faire de la livraison de journaux? Bien sûr, je suis bonne en vélo. Mais ça m'embête de me lever tôt. Et ça? C'est pas aussi bien payé, mais tu peux travailler 2 ou 3 jours par semaine et commencer à travailler les soirs. Ah, celui-là? Caissière? Ouais, ça peut être bien de bosser après les cours. Celui pour le café a l'air pas mal aussi. Ah ouais, j'adore cet endroit. Et c'est sur mon chemin. Pas mal, hein? Auquel je postule? Tu hésites entre quoi et quoi? Le café et les livraisons? Ouais, le salaire pour la livraison de journaux est vraiment bien. Ok, j'ai choisi. Je vais juste devoir me lever tôt. Une femme discute avec son coiffeur. Comment veut-elle se faire coiffer? Bonjour, puis-je vous aider? Bonjour, j'ai rendez-vous à 3 heures au nom de Rishi. Ah oui, bonjour Madame Rishi. Par ici s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Je voudrais changer un peu de style de coiffure. Ok, quelle longueur voulez-vous? À peu près aux épaules. Très bien, et votre frange? On garde la frange. Droite ou un peu sur le côté? Un peu sur le côté. Lequel? Un peu à gauche. Ok. On commence avec le shampoing par ici, s'il vous plaît. Un homme fait une réservation d'hôtel. Dans quelle chambre va-t-il s'installer? Seaside Hotel, comment puis-je vous aider? Bonjour, je voudrais réserver une chambre pour la nuit du 22 septembre. Très bien. Le 22 septembre au soir, combien de personnes? 2. Voulez-vous une chambre fumeur ou non-fumeur, monsieur? Non-fumeur. La seule chambre non-fumeur disponible a vue sur la montagne. Cela vous convient-il? Ah, j'espérais avoir vue sur la mer. Je suis désolée, mais la seule chambre disponible avec vue sur la mer est une chambre fumeur. Je vois.
Y a-t-il une telle chambre non-fumeur disponible le 23 septembre ? Oui, il y en a une. Très bien, nous réservons pour le 23. Un homme et sa femme regardent des plans de logement. Quel logement vont-ils visiter ? Que penses-tu de celui-là ? Il a un grand et agréable séjour. J'aime bien les grands salons, mais j'aimerais avoir une place de parking. Voyons voir. Et celui-là ? Ouais, sympa. On le visite ? Attends une minute. Le placard est pas un peu petit ? Bien vu. Il semblerait que celui-là n'est pas aussi parfait. Oh, et celui-là ? Il a tout ce qu'on veut, non ? Et le placard est assez grand aussi. Allons voir celui-là. Ok. Level 4. Advanced. Un homme et une femme discutent de la présentation qu'ils vont faire le lendemain au bureau. Que va vérifier la femme après leur conversation ? Ok, je pense que nous sommes presque prêts pour la présentation de demain. Juste quelques petites choses. La réunion va commencer à 9h pile, donc on pourrait revérifier la salle de réunion aujourd'hui ? Oui, j'ai déjà revérifié la salle. Ok, super. Est-ce que tu as vérifié le fonctionnement du projecteur ? Oh, j'allais vérifier ça demain matin avec mon portable. Non, on doit vérifier ça aujourd'hui. On va pas avoir le temps de gérer ça demain si on a un problème. Donc vérifie ça aujourd'hui, c'est le plus important, ok ? Ok. Et tu as récupéré les copies des documents ? Madame Martin les fait actuellement. Voyons voir, quoi d'autre ? Oh, tu as vérifié le tableau blanc ? Oui, je l'ai fait. Parfois, les stylos n'ont plus assez d'encre. Est-ce que tu as regardé ça ? Pas encore, mais je vais m'en occuper plus tard. Ok, oublie pas de faire ça aujourd'hui, s'il te plaît. Une femme passe un coup de fil pour réserver des tickets pour une pièce de théâtre. Quels sont les deux sièges qu'elle réserve ? Bonjour, Blackfriars Playhouse à l'appareil. Puis-je vous aider ? Je voudrais deux tickets pour le Roi Lear à 17h30 ce soir. Y a-t-il encore des places ? Nous avons quelques places disponibles, mais je suis désolé, nous n'avons plus de places côte à côte. Si ça ne vous dérange pas, nous pouvons vous donner deux places séparées. Ok, ce n'est pas un problème. Avez-vous une exigence particulière ? Eh bien, vous avez des places en allée centrale ? Oui, nous en avons une dans la rangée à gauche de la salle côté centre. À droite de la salle, trois sièges plus loin, nous en avons une autre. Sur le côté ? Ok, vous pouvez réserver celle en allée centrale. Certainement. Et l'autre place ? Est-ce que vous avez des places près du centre ? Les seules places que nous avons au centre sont du premier rang au troisième. Je ne suis pas folle des acteurs qui me crachent dessus, donc... La salle est assez petite et je pense que vous pourrez apprécier la pièce même à la fin de la rangée. Vraiment ? Bien, je vais prendre celle à gauche dont vous avez parlé avant. Une femme discute avec un imprimeur sous-traitant à propos de la brochure d'un nouveau produit. Quelle est la date limite pour rendre le premier jet du design de la brochure ? Nous avons décidé de lancer le produit le 15 octobre et nous voudrions travailler avec vous pour la brochure. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment ravis de vous aider dans la réalisation de ce projet. Pourriez-vous nous en dire plus sur le calendrier ? Quand auriez-vous besoin d'être livré ? Eh bien, en prenant en compte le temps de production, nous aimerions envoyer les brochures à l'impression fin septembre. Vous serait-il possible de nous éditer un premier jet mi-août ? Bien, nous aimerions vous présenter trois designs différents pour le brouillon et vous choisirez celui qui vous convient le mieux. Ensuite, nous ferons le design final en nous basant sur votre choix. Cela nous aiderait beaucoup d'avoir 2 semaines de plus pour cette phase. Ok. Peut-être qu'un mois suffira pour choisir un des designs que vous aurez fait et décider de la version finale. Très bien, je compte sur vous. Vous êtes entre de bonnes mains. Notre équipe graphique est la meilleure. Merci beaucoup. Un homme va à un club de sport pour demander des informations sur les inscriptions. Quel genre d'adhésion va-t-il choisir ?
Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer les différentes options d'adhésion comme décrites dans cette brochure. Les membres ordinaires peuvent utiliser la salle de gym et la piscine tous les jours. Mais nous offrons aussi des adhésions pour les matinées, pour ceux qui peuvent venir seulement très tôt le matin, et des adhésions soirées pour ceux qui peuvent venir seulement tard le soir. Quels sont les horaires pour les séances du matin ? Les sessions matinales se déroulent de 6h du matin à 10h et celles du soir de 18h à 23h. Je vois. Donc les adhérents du matin peuvent faire un saut et s'entraîner avant d'aller au travail. C'est exact. Ce type d'adhésion est assez populaire parmi les gens qui travaillent de 9h à 17h. Et nous offrons aussi des adhésions seulement pour la salle de gym ou la piscine, si vous ne voulez faire qu'une seule de ces options. Je veux utiliser les deux. Je pense que j'utiliserai la salle de gym le matin avant le travail en semaine et utiliserai la piscine le week-end. Est-ce que vous avez une adhésion qui couvre le matin seulement les jours de semaine, mais les journées complètes les week-ends ? Nous sommes désolés, mais nous n'offrons pas ce genre d'adhésion, monsieur. Ok, je ne pense pas pouvoir me lever si tôt les week-ends, donc je vais choisir cette option. Un homme fait un rapport sur les performances de vente de son entreprise lors d'une réunion. Quels sont les deux graphiques qu'il utilise pour sa présentation ? Regardez le document, s'il vous plaît. Le graphique de gauche montre les ventes de l'entreprise sur les 3 dernières années et les prévisions de vente pour l'année présente. Le graphique de droite montre la chute des ventes jusqu'au mois d'octobre de cette année. Maintenant, revenons au graphique de gauche. Il montre que les ventes ont augmenté progressivement sur les 3 dernières années. Si nous pouvons maintenir l'augmentation des ventes cette année, on dépassera le total des ventes de l'an passé. Regardons encore le graphique de droite. Il montre que les campagnes que nous avons faites en avril et août ont été plutôt efficaces. Je vois, mais les ventes ont décliné en mai et septembre, juste après les campagnes. Oui, mais ce genre de rebond est inévitable. Je pense que les ventes annuelles pour cette année vont dépasser celles de l'an passé si nous continuons sur cette lancée. How was it? Now you can check your answers. Level 1. Absolute beginner. Answer. Quelle photo regarde-t-il? Une femme et un homme regardent une photo. Quelle photo regarde-t-il? C'est la photo de l'équipe de foot de ton fils? Il est où? Il est là. Oh, et c'est le plus grand de l'équipe. Il est plus grand que moi. Qu'a fait le garçon en premier aujourd'hui? Un garçon lit son journal intime. Qu'a fait le garçon en premier aujourd'hui? Il a fait très beau aujourd'hui. Je suis allé à la piscine cet après-midi et je suis allé voir un film ce soir. J'ai aussi étudié ce matin. C'était une très bonne journée. À quelle heure doit-il y être? Un homme est au téléphone avec une clinique. À quelle heure doit-il y être? Bonjour, comment puis-je vous aider? Vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 6h, mais il est préférable de venir avant 17h30. Très bien, ok. Qu'a commandé le monsieur? Un homme et une femme regardent le menu d'un restaurant. Qu'a commandé le monsieur? Que voulez-vous commander? La pizza a l'air délicieuse. Je vais prendre ça. J'ai déjà mangé une pizza hier, donc. Ah, et pourquoi pas ce hamburger? Ça m'a l'air bien. Je prends ça. Quel livre voulait voir la dame? Une dame demande un renseignement au libraire. Quel livre voulait voir la dame?
Excusez-moi, je voudrais jeter un œil sur ce livre sur cette étagère. Quel livre voulez-vous ? Le livre sur les voitures. Un moment, s'il vous plaît. Celui-ci ? C'est ça. Et voilà. Level 2. Beginner. Answer. Quel modèle ont-ils choisi ? Un homme et une femme discutent du modèle de la carte de visite de l'entreprise. Quel modèle ont-ils choisi ? On a reçu quelques nouveaux modèles pour la carte de visite de l'entreprise. Laquelle conviendrait le mieux à ton avis ? Voyons ça. Je pense que le nom de l'entreprise devrait être plus gros. Ok, donc ça serait une de celles-ci. Oui. J'aime celle-ci parce que le nom de l'entreprise est gros et en haut. Il y en a une avec un espace pour une photo. Qu'en penses-tu ? Je pense que ça réduit trop la taille du texte. Ouais, le texte va être un peu difficile à lire à cause de l'image. Ok, donc on va prendre l'autre. Quelles sont les prévisions ? Vous écoutez les prévisions météo. Quelles sont les prévisions ? Nous aurons beau temps toute la matinée. Dans l'après-midi, les nuages se montreront et il pleuvra dans la soirée. La pluie sera présente toute la nuit jusqu'à demain matin très tôt, jusqu'au lever du soleil. Que va-t-il acheter ? Un homme discute avec son épouse au téléphone. Que va-t-il acheter ? Coucou, je rentre à la maison. Ok, tu pourrais acheter un truc en passant ? Bien sûr. Tu veux que je prenne quoi ? On a besoin de lait et de pain pour demain matin. Lait et pain compris. Combien de briques de lait ? Une, ça ira, je pense. Ok. Autre chose ? Une seconde. Je regarde s'il y a encore du beurre. Ok, on en a. Très bien. Il reste des bières ? Oui, il y en a encore une bouteille. Ok, donc inutile d'en acheter maintenant. Oui, je pense que c'est bon. Merci. Où se trouve la vieille imprimante ? Un homme et une femme discutent d'imprimantes au bureau. Où se trouve la vieille imprimante ? Où devrions-nous mettre la nouvelle imprimante ? Je pense qu'on devrait la mettre là où se trouve l'ancienne. Mais elle fonctionne encore. On va continuer à l'utiliser. Ok, donc on ne peut pas mettre la nouvelle là. C'est dommage. Ça aurait été bien d'avoir la nouvelle dans l'étagère près de la porte, mais il n'y a de place que pour une seule imprimante. Ok, je pense qu'on devrait la mettre de l'autre côté de la pièce. Très bien. Pourquoi pas à côté de la fenêtre ? Ça me semble bien. Quel collier va-t-il acheter ? Un homme cherche un cadeau d'anniversaire pour sa femme dans une bijouterie. Quel collier va-t-il acheter ? Puis-je vous aider ? Je cherche un cadeau d'anniversaire pour mon épouse. Vous pouvez me conseiller ? Bien. Que pensez-vous de ce collier ? Il a l'air un peu long. Et cela ? Nous en avons un avec un pendentif en forme de fleur et un en forme de cœur. Je recherche quelque chose d'un peu plus sophistiqué. À combien est ce collier de perles là-bas ? Il fait 5 000 €. C'est trop cher. Ok, je vais prendre le premier. Très bien, voilà. Level 3. Intermediate. Answer.
Quelle robe va-t-elle acheter ? Une femme essaie une robe et discute avec le vendeur. Quelle robe va-t-elle acheter ? Elle vous met en valeur et vous va très bien. Oui, elle me va. Mais j'ai l'habitude de porter des couleurs unies. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de motif. Eh bien, je trouve que cela vous va bien. Ah oui ? Je pense qu'il me faudrait un peu plus de courage pour porter ça. Et pourquoi pas cette robe ? Le motif est plutôt discret, donc ce sera moins voyant. Vous avez raison, je vais essayer celle-ci. Je vous en prie. Qu'en pensez-vous ? Celle-ci me va mieux que l'autre. Est-ce que vous avez la même avec des manches longues ? Oui, tout à fait. Très bien, je la prends. Pour quel travail l'étudiante va-t-elle postuler ? Deux étudiants, un garçon et une fille, regardent des petites annonces de job. Pour quel travail l'étudiante va-t-elle postuler ? Hey, tu penses quoi de ce job ? Le taux horaire est assez élevé. C'est sûr, la paye est géniale, mais tu penses vraiment pouvoir faire de la livraison de journaux ? Bien sûr, je suis bonne en vélo. Mais ça m'embête de me lever tôt. Et ça ? C'est pas aussi bien payé, mais tu peux travailler 2 ou 3 jours par semaine et commencer à travailler les soirs. Ah, celui-là ? Caissière ? Ouais, ça peut être bien de bosser après les cours. Celui pour le café a l'air pas mal aussi. Ah ouais, j'adore cet endroit. Et c'est sur mon chemin. Pas mal, hein ? Auquel je postule ? Tu hésites entre quoi et quoi ? Le café et les livraisons ? Ouais, le salaire pour la livraison de journaux est vraiment bien. Ok, j'ai choisi. Je vais juste devoir me lever tôt. Comment veut-elle se faire coiffer ? Une femme discute avec son coiffeur. Comment veut-elle se faire coiffer ? Bonjour, puis-je vous aider ? Bonjour, j'ai rendez-vous à 3 heures au nom de Rishi. Ah oui, bonjour Madame Rishi. Par ici s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ? Je voudrais changer un peu de style de coiffure. Ok, quelle longueur voulez-vous ? À peu près aux épaules. Très bien, et votre frange ? On garde la frange. Droite ou un peu sur le côté ? Un peu sur le côté. Lequel ? Un peu à gauche. Ok. On commence avec le shampoing par ici, s'il vous plaît. Dans quelle chambre va-t-il s'installer ? Un homme fait une réservation d'hôtel. Dans quelle chambre va-t-il s'installer ? Seaside Hotel, comment puis-je vous aider ? Bonjour, je voudrais réserver une chambre pour la nuit du 22 septembre. Très bien. Le 22 septembre au soir, combien de personnes ? 2. Voulez-vous une chambre fumeur ou non-fumeur, monsieur ? Non-fumeur. La seule chambre non-fumeur disponible a vue sur la montagne. Cela vous convient-il ? Ah, j'espérais avoir vue sur la mer. Je suis désolée, mais la seule chambre disponible avec vue sur la mer est une chambre fumeur. Je vois. Y a-t-il une telle chambre non-fumeur disponible le 23 septembre ? Oui, il y en a une. Très bien, nous réservons pour le 23. Quel logement vont-ils visiter ? Un homme et sa femme regardent des plans de logement. Quel logement vont-ils visiter ? Que penses-tu de celui-là ? Il a un grand et agréable séjour. J'aime bien les grands salons, mais j'aimerais avoir une place de parking. Voyons voir. Et celui-là ? Ouais, sympa. On le visite ? Attends une minute. Le placard est pas un peu petit ? Bien vu. Il semblerait que celui-là n'est pas aussi parfait. Oh, et celui-là ? Il a tout ce qu'on veut, non ? Et le placard est assez grand aussi. Allons voir celui-là. Ok. Level 4.
Advanced. Answer. Que va vérifier la femme après leur conversation? Un homme et une femme discutent de la présentation qu'ils vont faire le lendemain au bureau. Que va vérifier la femme après leur conversation? Ok, je pense que nous sommes presque prêts pour la présentation de demain. Juste quelques petites choses. La réunion va commencer à 9h pile, donc on pourrait revérifier la salle de réunion aujourd'hui? Oui, j'ai déjà revérifié la salle. Ok, super. Est-ce que tu as vérifié le fonctionnement du projecteur? Oh, j'allais vérifier ça demain matin avec mon portable. Non, on doit vérifier ça aujourd'hui. On va pas avoir le temps de gérer ça demain si on a un problème. Donc vérifie ça aujourd'hui, c'est le plus important, ok? Ok. Et tu as récupéré les copies des documents? Madame Martin les fait actuellement. Voyons voir, quoi d'autre? Oh, tu as vérifié le tableau blanc? Oui, je l'ai fait. Parfois les stylos n'ont plus assez d'encre. Est-ce que tu as regardé ça? Pas encore, mais je vais m'en occuper plus tard. Ok, oublie pas de faire ça aujourd'hui, s'il te plaît. Quels sont les deux sièges qu'elle réserve? Une femme passe un coup de fil pour réserver des tickets pour une pièce de théâtre. Quels sont les deux sièges qu'elle réserve? Bonjour, Blackfriars Playhouse à l'appareil. Puis-je vous aider? Je voudrais deux tickets pour le Roi Lear à 17h30 ce soir. Y a-t-il encore des places? Nous avons quelques places disponibles, mais je suis désolé, nous n'avons plus de places côte à côte. Si ça ne vous dérange pas, nous pouvons vous donner deux places séparées. Ok, ce n'est pas un problème. Avez-vous une exigence particulière? Eh bien, vous avez des places en allée centrale? Oui, nous en avons une dans la rangée à gauche de la salle côté centre. À droite de la salle, trois sièges plus loin, nous en avons une autre. Sur le côté? Ok, vous pouvez réserver celle en allée centrale. Certainement. Et l'autre place? Est-ce que vous avez des places près du centre? Les seules places que nous avons au centre sont du premier rang au troisième. Je ne suis pas folle des acteurs qui me crachent dessus, donc... La salle est assez petite et je pense que vous pourrez apprécier la pièce même à la fin de la rangée. Vraiment? Bien, je vais prendre celle à gauche dont vous avez parlé avant. Quelle est la date limite pour rendre le premier jet du design de la brochure? Une femme discute avec un imprimeur sous-traitant à propos de la brochure d'un nouveau produit. Quelle est la date limite pour rendre le premier jet du design de la brochure? Nous avons décidé de lancer le produit le 15 octobre et nous voudrions travailler avec vous pour la brochure. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment ravis de vous aider dans la réalisation de ce projet. Pourriez-vous nous en dire plus sur le calendrier? Quand auriez-vous besoin d'être livré? Eh bien, en prenant en compte le temps de production, nous aimerions envoyer les brochures à l'impression fin septembre. Vous serait-il possible de nous éditer un premier jet mi-août? Bien, nous aimerions vous présenter trois designs différents pour le brouillon et vous choisirez celui qui vous convient le mieux. Ensuite, nous ferons le design final en nous basant sur votre choix. Cela nous aiderait beaucoup d'avoir 2 semaines de plus pour cette phase. Ok. Peut-être qu'un mois suffira pour choisir un des designs que vous aurez fait et décider de la version finale. Très bien, je compte sur vous. Vous êtes entre de bonnes mains. Notre équipe graphique est la meilleure. Merci beaucoup. Quel genre d'adhésion va-t-il choisir? Un homme va à un club de sport pour demander des informations sur les inscriptions. Quel genre d'adhésion va-t-il choisir? Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer les différentes options d'adhésion comme décrites dans cette brochure. Les membres ordinaires peuvent utiliser la salle de gym et la piscine tous les jours, mais nous offrons aussi des adhésions pour les matinées, pour ceux qui peuvent venir seulement très tôt le matin, et des adhésions soirées pour ceux qui peuvent venir seulement tard le soir. Quels sont les horaires pour les séances du matin? Les sessions matinales se déroulent de 6h du matin à 10h et celles du soir de 18h à 23h. Je vois. Donc les adhérents du matin peuvent faire un saut et s'entraîner avant d'aller au travail. C'est exact. Ce type d'adhésion est assez populaire parmi les gens qui travaillent de 9h à 17h
et nous offrons aussi des adhésions seulement pour la salle de gym ou la piscine, si vous ne voulez faire qu'une seule de ces options. Je veux utiliser les deux. Je pense que j'utiliserai la salle de gym le matin avant le travail en semaine et utiliserai la piscine le week-end. Est-ce que vous avez une adhésion qui couvre le matin seulement les jours de semaine, mais les journées complètes les week-ends ? Nous sommes désolés, mais nous n'offrons pas ce genre d'adhésion, monsieur. Ok, je ne pense pas pouvoir me lever si tôt les week-ends, donc je vais choisir cette option. Quels sont les deux graphiques qu'il utilise pour sa présentation ? Un homme fait un rapport sur les performances de vente de son entreprise lors d'une réunion. Quels sont les deux graphiques qu'il utilise pour sa présentation ? Regardez le document, s'il vous plaît. Le graphique de gauche montre les ventes de l'entreprise sur les 3 dernières années et les prévisions de vente pour l'année présente. Le graphique de droite montre la chute des ventes jusqu'au mois d'octobre de cette année. Maintenant, revenons au graphique de gauche. Il montre que les ventes ont augmenté progressivement sur les 3 dernières années. Si nous pouvons maintenir l'augmentation des ventes cette année, on dépassera le total des ventes de l'an passé. Regardons encore le graphique de droite. Il montre que les campagnes que nous avons faites en avril et août ont été plutôt efficaces. Je vois, mais les ventes ont décliné en mai et septembre, juste après les campagnes. Oui, mais ce genre de rebond est inévitable. Je pense que les ventes annuelles pour cette année vont dépasser celles de l'an passé si nous continuons sur cette lancée. How is your language level? Let us know in the comments below. And remember, if you want to be able to understand the language, just click the link in the description and access the best library of online content to help you improve your skills. Want to speak real French from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at FrenchPod101.com. If you've studied your target language, but you can barely understand native speakers, you might be doing something wrong. You know the vocabulary and grammar they're using, but for some reason, when they speak at a faster speed, you can't keep track of what's going on. Why is this happening? Have you spent all this time learning in vain? This is a common issue that all language learners face at some point or another. The truth is, it's actually a good problem to have, because only students with a higher level of skill will experience it. When you know a lot of the language, but have trouble understanding native speakers, the problem is almost always with your listening skills. Learning what words mean and practicing how to use them in a sentence are both invaluable skills to develop. But people often forget that in addition to speaking, writing, and reading, we have to develop our listening skills in a foreign language as well. In this video, we'll look at 3 practical ways to improve your listening skills. Number 1, practice active listening. One of the best ways to practice listening is to, well, listen to your target language. But this doesn't mean putting on some music and listening to it in the background as you do other things. You need to practice active listening. Get your hands on a recording of spoken language. You can use a movie, news broadcast, or a podcast. You can even try subscribing to a YouTube channel. Listen to a segment of the audio and do your best to write down what you hear. After a couple tries at this, go back and double-check what you wrote against the script of what was actually said. If you're watching a movie, you can double-check yourself by turning on the subtitles. Our language learning program is one of the best tools for developing your listening skills. You can listen to the conversation in a lesson and then check it back against the lesson transcripts. This is simple, easy, and you can be sure that the transcripts are correct. Number 2, practice pronunciation. Any problems you have pronouncing new words correctly will be reflected back in your listening skills. It's hard for your brain to decipher and remember a sound, be it a letter or a word, that you don't know how to make yourself. A good accent will give you the ability to hear and pick out the otherwise unnatural new sounds. To develop your accent, focus on any sounds or letters that feel difficult or unnatural for you. Once you get more comfortable with the basic sounds, start to combine them using words and whole sentences. Listen to native speakers as much as possible and take note of how words and sounds can blend, morph, or get dropped in rapid speech. Do your best to listen to this phenomenon and imitate what you hear. Focus more on how the syllables are said together rather than simply saying the words next to each other. There is often a significant difference between how words are said individually and how they are said when spoken together in a rapid-fire sentence.
This is a big part of the reason language learners can know a lot of vocabulary and grammar, but still not understand native speakers. Our playback feature is great for pronunciation practice. You can play back the podcast itself or listen to words individually. You can even listen back at a slower speed if you're having trouble catching the correct pronunciation at native speaker speed. Number three, make listening part of your routine. Now that you've started practicing active listening and pronunciation, make it a part of your regular learning. Allot a specific amount of time for each of your listening activities. For example, you might practice 10 minutes of active listening, followed by 10 minutes of practicing vowels, and then 10 minutes of imitation practice with a podcast. Now, you don't have to use this schedule exactly. Tailor it to your own needs and availability. The point is that you should make a conscious and decisive effort to practice your listening skills on a regular basis. It could be 30 minutes a day, or it might be 10. What matters most is that you practice consistently. These three tips will help you close any gap that might exist between your knowledge of your target language and your listening abilities. Understanding native speakers may seem daunting at first, but with a little time and perseverance, you will see your skills improve. And for even more ways to practice listening, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye. All cultures have a form of music. Music is one of the most basic tools we can use to learn a language. Parents use music and songs to teach their young children simple words. Music can help us focus, help us remember better, and thus help us as we acquire a language. Music can aid our coordination and physical development, too. So, how do we use music to support our language learning now, as grown people? In this video, we'll look at four ways to use music to study a language. Imitating structures and rhythms is important when learning a language, and the same is true for music. When children play with other children, they listen to songs, move their bodies as they play games, and try to imitate what they see and hear. This practice of regular imitation aids children as they gain their language skills. Repeating song lyrics like those from nursery rhymes helps kids retain words and expressions. Children may not know the meanings of all the words in the songs they sing, but they remember the songs, the vocabulary, and the rhythms. Children practice making sounds by mimicking the pronunciation of words. This can be the first step to the child understanding the meaning and use of a word. You might not realize it, but you probably still remember many of the songs and rhymes you learned when you were a child. We're able to remember expressions, words, and ideas effectively when they're put to music. This is also the reason you can memorize the lyrics of songs you like rather easily. Patterns like those in many popular songs are repetitive. We review the rhythms and the words each time we listen. Everybody's different, so if you want to use music to support your language learning, we're here to provide four different ways. Number one, passive listening. One way to study with music is through passive listening. You can do this with songs you have in your target language on your computer, a CD, your favorite streaming site. You can use this method as long as you have access to music in the language you want to study. Turn the music on and let it play in the background while you do something else, like studying, cooking dinner, or cleaning the house. Do this regularly and let your mind get used to the idea of hearing your target language in your environment. This kind of familiarity with the language will help you as you work towards fluency. Passive listening is one form of language immersion. As you listen to the background music over and over and get more comfortable with it, you'll start to notice keywords, intonation, grammar patterns, and so on. With enough practice and with enough different music to listen to, you might even start to recognize certain sounds and words when you hear them somewhere else. Number two, memorization. You can use music to help build your vocabulary and memorize words effectively. This method focuses on studying lyrics and songs to improve your ability to recall the words. Look up the lyrics to a song you're listening to and review them line by line. You can read the lyrics as you listen to the song or try to remember the next line in the song before it is sung. Memorization practice like this enhances your listening skills and boosts your reading skills. Number three, sing along. Our first tip in this lesson was to listen passively. This tip, however, is to listen actively by singing along to your music. Look up the lyrics of a song you like. Play the song and try to sing along.
You may also be able to find videos on YouTube of popular songs with the lyrics included. If it's difficult at first, don't worry. Remember, regular review and practice is essential. Just as we usually need to hear a song in our native language a few times before we remember the words, you can expect to need to listen several times over a few days before you feel comfortable with all the words. Through practicing this way, you'll learn grammar, spelling, and pronunciation. You'll also get to enjoy a song you like. Moreover, this type of exercise will help you work on your reading and listening skills. A good way to check your progress is by trying to sing the song by yourself. You can sing with no music, or you can try looking for a karaoke version of the song you like. If you can sing all the words, great. If not, you can go back to the lyrics and study a bit more until you master the track. Number 4, transcription. To do this exercise, listen to the song. As it plays, write down or transcribe the lyrics. You can start and stop the song at the end of each line to slow things down a bit. If you begin your studies with this method, you might catch only a few words, but don't get frustrated. Play the song and write down everything you can hear. Then play the song again and write down the words that you missed the first time you listened. With practice like this, your listening skills will improve, and so will your spelling. These are just a few ways that you can use music to study another language. Be patient and don't forget to enjoy the music you're listening to as you study. If you want to start simple, try listening to children's songs in your target language. The song lyrics tend to be repeated a lot, and this can help you identify key words quickly. Learning a language through music is fun. It can help you focus your attention and improve your memory. This can be a great part of your self-study plan. If you want to get more tips on learning language, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.